de grands espaces. L'amour du risque. Le goût de l'aventure. Ça, c'est moi. Super fougas. Ça fait haut, c'est super haut, mais on va y arriver. On t'a là, pas de soucis, c'est juste que ça va prendre plus de temps que prévu. Sur l'eau, est-ce que vous avez vu de l'eau? Comment ça s'est passé? Disons que les premiers 500 km ça a été dur, mais bon, étant un grand habitué, avec un verre d'eau j'ai tenu. Après là c'était plus dur, c'est l'attaque du bison, mais bon, le coup de poing j'ai bien géré, je l'ai assommé, j'ai sauvé l'équipe. Modestement je dirais qu'ils sont à la traîne, mais bon, ça j'ai bien assuré. Pour le reste, Niveau intestinal, ça va, excusez-moi. Alors voilà, c'est ici le deuxième soir, la deuxième nuit. Ils ont réussi à sauvegarder le feu du camp d'en bas. Ce n'était pas évident, et en plus il y a un orage, un gros orage qui vient de nous tomber dessus, donc on est tous trempés. Il y en a deux ou trois qui sont partis chercher de l'eau potable, deux ou trois qui sont partis chercher du bois. Ça a l'air d'être un stage vraiment pas trop mal structuré. Ils ont l'air de bien s'entendre. Ça n'a peut-être pas duré.
te jure, je la sens bouger. Demande-en une. Elle est pas assez. Ça va être nerveuse. C'est comme des raisins. Mais je la sens toute molle. C'est qui là? C'est sac là-bas. Y'a quoi, Nelly? Y'a vous deux, les filles. Y'a qui? Et Mousse. Hein Mousse. Là, y'a John et Yo, toi et moi et Mousse. D'accord. Attends. Je regarde la montagne. Alors, on va où aujourd'hui, Zénie? On va par là, c'est ça? On va là-haut? C'est filmé? Ah, bah, c'est dommage. Chaud, Marjorie. T'aurais dû venir avec nous, hein? Non, mais Marjorie, elle verra pas. On va quand même descendre, non? On va descendre. Là, c'est à flanc, après on va descendre, après c'est à flanc, et puis tout le monde. D'accord. Une photo des années 80, tu prends Nathalie. Tu prends Nathalie. Jamais.
la soif de grand espace, l'envie de nature, le goût de l'aventure. On est là pour ça. Grosse bise. Et vive la confiture.